Nous sommes dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 32. Genèse chapitre 5, verset 1 à 32. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan 815 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalel 840 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalil, âgé de 65 ans, engendra Jared. Mahalel vécut après la naissance de Jared 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalel furent de 895 ans, puis il mourut. Jared, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jared vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Methushélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Methushélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Merci Yann, merci frères et sœurs, merci Seigneur pour ta parole. Mes amis, nous sommes ici... dans cette parole, en fait, que nous venons d'entendre, que Yann vient de nous lire, ne peut que interpeller les hommes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient théistes, qu'ils soient agnostiques, tout ça, là, peu importe votre couleur, votre taille, votre richesse, peu importe votre origine, une chose est sûre, c'est que nous allons tous un jour ou l'autre mourir. N'est-ce pas? Ça, c'est une évidence, n'est-ce pas? À laquelle personne ne peut se dérober. Que vous soyez riche, milliardaire, que vous soyez une star connue mondialement, peu importe, une chose est sûre, face à la mort, nous sommes tous impuissants. Oh oui. Vous savez, les hommes peuvent débiter toutes sortes de paroles. Ils peuvent être orgueilleux, ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Mais quand la mort décide de les emporter, mes amis, comme vous le savez aussi bien que moi, la mort, mes amis, est à la fois imprévisible et inévitable. Imprévisible, elle ne va pas vous annoncer à l'avance. Elle ne va pas vous demander de vous préparer pour pouvoir partir avec. Elle vous surprend, elle nous surprend. La mort, elle est inévitable. Vous ne pouvez pas l'éviter. Si elle décide de vous emporter, que vous alliez aux États-Unis, que vous alliez en Afrique, que vous soyez dans un, je ne sais pas, que vous soyez enfermé dans un coffre-fort, hein, avec un code que vous seul connaissez. Si la mort décide de vous emmener avec elle, vous partirez. Oh oui. Que vous soyez enfant, que vous soyez vieux, que vous soyez petit, riche, blanc, noir, peu importe, la mort. La mort. Et l'homme, en général, n'aime pas tellement penser à la mort. La mort est un sujet tabou pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de familles. Il ne faut surtout pas en parler. Et on a tous l'impression d'être immortel, surtout quand on est jeune.
plein de projets, n'est-ce pas, plein de vigueur. On se dit, bon, un jour, on verra cela. Et puis, on est surpris. On apprend que, voilà, comme tout à l'heure, je suivais les informations, un enfant de 4 ans qui a été enlevé, 4 ans, et on le retrouve noyé. Voyez, frère, 4 ans, la mort. Et justement, ici, il y a une parole que le Seigneur avait dite à Adam et Ève, surtout à Adam, avant que Ève ne soit formée. Dieu disait à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras certainement. C'est clair. Vous savez, les hommes cherchent des réponses. Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous et où allons-nous? Ces trois questions restent souvent sans réponse, n'est-ce pas, pour des milliers de personnes, des milliards d'individus. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Nous sommes là pour un but. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas le produit de l'évolution. Il y en a qui vont croire que Darwin avait raison, que nous sommes des descendants de singes. Mes amis, les singes ont évolué, frère. Et s'ils avaient, n'est-ce pas, hier, si ce petit microbe d'où tu es sorti, soi-disant, n'avait pas de jambes, aujourd'hui tu as des jambes, donc ça veut dire que tu es appelé à évoluer aussi. Peut-être même que demain tu auras 5 jambes. C'est de la folie. C'est du pur mensonge. Et d'ailleurs, pour votre information, Darwin n'était pas athée. Darwin était, n'est-ce pas, théiste. Il croyait en Dieu. N'est-ce pas? Et j'ai vérifié également, je me suis rendu compte que même Descartes n'était pas païen. Il était croyant. Il croyait en Dieu. Vous rendez compte, frère? Je me rappelle de cette parole de ce philosophe français, n'est-ce pas? Et dont j'oublie le nom, ça va me revenir, très connu, qu'il disait, il disait, dans 100 ans, avant sa mort bien sûr, dans 100 ans, la Bible va disparaître. Et vous savez, 50 ans après, mes amis, sa propre maison est devenue une bibliothèque. Et 50 ans après, fut créée la société biblique, l'alliance biblique universelle. Et ça, c'est l'humour du Seigneur. Vous voyez, c'est Voltaire, effectivement. Donc, voyez, mes amis, et ici, dans Genèse 5, nous avons justement le règne, la domination de la mort. Dieu a dit à Adam, si tu manges ce fruit, tu mourras. Et vous savez, Adam n'est pas mort physiquement tout de suite après avoir mangé ce fruit. Il est mort 930 ans après. Vous vous rendez compte à quel point Dieu est patient? Adam pouvait se dire, ben, Dieu m'a dit que j'allais mourir, mais je suis toujours en vie. Aucune maladie ne m'embête. Mais voilà que 930 ans après, Adam est mort. Et nous mourons tous, mes amis. Nos parents sont morts. Moi, mes parents sont décédés. Nos amis meurent. Nos enfants, tout ça. Nos proches. Mais il y en a qui vont dire, mais oui, mes frères, messieurs, mais après la mort, on verra, il n'y a rien après la mort. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, qu'il y a une vie après la mort. De même que quand vous dormez, vous faites des cauchemars, vous vous réveillez parfois en sursaut et vous avez l'impression d'avoir vécu la chose qui vous a traumatisé. Et bien de la même que quand on meurt, il y a une vie qui continue. Et bien, maintenant, quant à savoir où passeras-tu cette autre vie, là, c'est la question à laquelle le Seigneur va te répondre certainement. Si vraiment tu l'invoques de tout ton cœur, chez toi, il te répondra. Mais en tout cas, une chose est sûre ici, on nous parle, n'est-ce pas, de la postérité d'Adam. Et vous et moi, nous sommes de la postérité d'Adam et Ève. Donc ça veut dire que nous sommes, vous et moi, soumis à la mort. N'est-ce pas? La mort exerce son autorité, son règne sur toute la descendance, la semence d'Adam et Ève. Et c'est quand même paradoxal de voir, mes amis, que la vieillesse est synonyme de l'enfance. C'est-à-dire, c'est comme une roue, hein, voilà, une boucle qui est bouclée. À la naissance, on porte des couches, on n'a pas de dents, pas de cheveux, pas tellement de cheveux. Et quand on vieillit, eh bien, mes amis, c'est le retour à l'enfance. C'est ça la puissance du Créateur. Il te montre que, oui, tu as Bac plus 40. Oui, tu as été un top modèle. Oui, tu as été un mannequin. Oui, tu as été une star. Mais arrivé à un certain âge, comme Ecclésiaste chapitre 12 le dit, arrivé à un certain âge, mes amis, on se rend compte qu'on fait un retour, hein, à l'envoyeur, on fait un retour à l'enfance. Le vieillard redevient un bébé. Il n'a plus de mémoire. Il n'a plus ses dents. Il n'a plus ses cheveux. Ça tombe. Vous voyez, frère? Alors, il faut de nouveau manger de la soupe.
comme lorsqu'on avait, mes amis, 4 mois, 6 mois. Et ça, l'homme parvient quand même à dire que Dieu n'existait pas. Mais mes amis, oh que Dieu nous aide. Alors imaginez ici ces hommes et ces femmes qui étaient tellement intelligents. Adam, Ève, avec leurs enfants. Ces hommes, mes amis, qui vieillissaient, mais en vieillissant, très peu parmi eux, très peu ont cherché véritablement à connaître la raison pour laquelle ils étaient sur terre. Très peu. Et on nous parle d'un seul homme, Enoch. Vous vous rendez compte? Enoch, dont le nom signifie initié, consacré, n'est-ce pas? Enoch nous dit la parole, marcha avec Dieu. Vous savez, la vie est une marche. Vous devez le savoir et vous le savez. Que vous soyez, je le répète, croyant ou pas, mes amis, vous me connaissez, honnêtement, je m'en fous, je m'en fiche. Ce qui est sûr, c'est que vous mourrez, je mourrai. Que vous le vouliez ou pas, pasteur ou pas, pape ou pas, vous mourrez. Je tiens à vous le rappeler ce soir, à vous annoncer cette bonne nouvelle, la mort de votre propre âme. Et les vers de terre vont se faire un festin de vos beaux yeux, de vos cheveux. Et on vous mettra entre 4 planches. Alors là, je ne vous dis pas quand il fait 45 degrés sous terre. Imaginez un peu quand il fait froid, moins 50 degrés comme aux États-Unis, au Canada. Mes amis, là, l'homme intelligent redevient stupide. Et on nous dit ici que seul Enoch a marché avec Dieu. Frère, la vie est une marche de la naissance à la mort. Tous les jours, à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, vous devez pleurer normalement parce que vous vous approchez de la mort. Et les gens ne se rendent même pas compte. N'est-ce pas? Et on leur dit, soufflez sur les bougies, soufflez. Les bougies s'éteignent. C'est pour vous montrer à quel point vous allez vous éteindre un jour. Le souffle du Tout-Puissant passera sur vous. Et votre âme s'éteindra. Mais les hommes intelligents de ce monde, soi-disant, ne se rendent même pas compte que les gestes qu'ils font dans le quotidien parlent même de leur fin, annoncent leur fin, leur mort. Nous marchons vers la mort. Alors si on vous pose la question, où allez-vous? Répondez simplement, vers la mort. Tout simplement. Et c'est ça la marche. La marche que nous entamons, la marche à laquelle nous sommes, vous et moi. Et ici, on nous dit que ces hommes n'ont pas cherché à marcher avec Dieu pour être extraits de la mort, pour être épargnés de la mort. Parce qu'il y a la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Lorsque l'homme mortel n'est pas conscient de la réalité du Seigneur, de sa présence, de son existence. Ça, c'est la mort spirituelle. Et la deuxième mort, c'est la mort physique. Lorsque l'âme quitte le corps physique. Voyez ? Et ensuite, il y a la mort, la seconde mort. C'est la séparation éternelle d'avec le Créateur. C'est l'enfer, c'est le lac de feu. Que vous y croyez ou pas, ce n'est pas mon problème. Vous allez vous en apercevoir un jour. J'espère pour vous que ce sera pas, ce sera plutôt là en haut que vous irez. Et on nous dit que Enoch, dont le nom signifie consacré, marcha avec Dieu. Cet homme a choisi de marcher avec Dieu parce qu'il avait compris qu'il allait vers la mort. Voyez, c'est le seul homme de la liste ici qui n'a pas connu la mort. Et ça, c'est incroyable, frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les descendants d'Adam et Ève que nous sommes, ceux et celles qui veulent, n'est-ce pas, vaincre la mort, n'ont pas d'autre solution que de marcher avec Dieu. Choisissez Dieu comme partenaire. Oh frère, oh homme riche, j'en rencontre. Oh, des hommes riches, partout, ici en France, en Europe, en Afrique, des généraux, des colonels, des milliardaires.
Et beaucoup ont peur de la mort. Vous savez, quand on a des petits bobos, on a tendance à tout de suite appeler le SAMU, n'est-ce pas? Les urgences, les pompiers. Oh, j'ai un petit malaise, j'ai une petite douleur au niveau de la poitrine. Est-ce que ce n'est pas un infarctus du myocarde? Quand on a des problèmes de vue, là c'est l'ophtalmo qu'on appelle. Quand il y a un problème de dentition, de dents, c'est tout de suite le dentiste. Vous savez? On a tellement de gens qui sont autour de nous, qui sont censés nous aider avec des médicaments, tout ça. Pourquoi tout ce système, mes amis, mis en place par l'homme? Eh bien, tout simplement parce que l'homme ne veut pas mourir. Ben oui! L'homme ne veut pas mourir. Et quand il y a des problèmes émotionnels, des problèmes au niveau du cœur, de l'âme, des problèmes sentimentaux, eh bien, il y a aussi un programme qui a été mis en place, un système qui a été mis en place pour nous aider. Nous avons des psychologues, nous avons des psychiatres. Quoique, quand la situation devient vraiment impossible, et là, c'est des piqûres qu'on vous donne, et là, vous devenez carrément un légume. Voyez, là, les psychiatres ne peuvent plus rien pour vous. Et c'est ça, la vie. Et l'homme, dont la vie est tellement fragile, se croit intelligent. Pourquoi? Parce que l'homme arrive à fabriquer des voitures, à créer des choses, à construire des voitures. Et l'homme se croit intelligent. L'homme va, mes amis, fabriquer, n'est-ce pas, inventer plein de choses. De la cigarette. Et il va écrire sur le paquet de la clope, « Fumais-tu ? » Il est conscient, bien qu'il soit athée, que fumer tue. Et l'homme est en train de se tuer. Mais ce qui est grave, c'est que l'homme en question ne prend même pas la résolution de marcher avec Dieu. Vous voyez, frère? Et ça, c'est incroyable. Laissez-moi nous dire à quel point nous sommes, nous, hommes, nous, humains, sans Dieu. Nous sommes, mes amis, idiots. Nous sommes tous des idiots. Nous sommes tous des bêtes. On n'est pas mieux que les animaux. La parole le dit. Alors, Enoch a choisi de manière délibérée de marcher avec Dieu. Et ça, c'est magnifique. Enoch est le septième homme, n'est-ce pas, après Adam. Et nous savons tous que chez les Hébreux, les nombres parlent énormément, sont très significatifs. Le nombre 7, chez les Hébreux, est un nombre de l'absolu, de la vérité absolue. D'accord? Lorsque Dieu veut exprimer une pensée absolue, une pensée, n'est-ce pas, incontournable, il va utiliser le nombre 7. Enoch, le septième homme après Adam, va marcher avec Dieu et il va être pris, enlevé. En hébreu, le verbe prendre ici signifie aussi enlever. Il va être enlevé par le Seigneur pour ne pas qu'il voie la mort. Et Enoch, sa vie, nous parle de beaucoup de choses, nous parle de la marche chrétienne, n'est-ce pas? De la marche tous les jours, de la marche par rapport à la vie, et également de l'enlèvement des saints. Parce que nous croyons, d'après les prophètes messianiques, juifs, que les chrétiens, pas ceux et celles qui vont fréquenter forcément, qui vont dans les bâtiments qu'on appelle l'église. Non, je parle de personnes qui ont une relation avec le Seigneur, chez elles. Des personnes qui ne sont pas forcément appelées chrétiennes, hein, par le système que les hommes ont mis en place, c'est-à-dire la chrétienté actuelle. Mais des hommes et des femmes qui ont une relation avec le Créateur, avec Yeshua, Jésus-Christ, qui le cherchent de tout leur cœur et qui marchent dans l'intégrité, dans la vie de tous les jours, qui le craignent, qui le respectent. Ces hommes et ces femmes ont choisi de manière délibérée de marcher avec Dieu. Et vous remarquerez que ici, ce n'est pas Dieu qui a décidé de marcher avec Enoch. Ce n'est pas Dieu qui a imposé à Enoch sa parole. Mais c'est Enoch lui-même qui s'est rendu compte que ses ancêtres ont marché vers la mort. Ils étaient morts et lui, il a préféré de marcher avec Dieu. Vous savez, quand vous décidez de marcher avec une personne, c'est à vous de vous soumettre à ses lois, à sa vision. Parce que Dieu marche aussi. Dieu a des objectifs, n'est-ce pas? Dieu a une vision qui est claire. Donc, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il doit se plier à ses exigences. Il doit se plier à sa parole.
Vous ne pouvez pas chercher à marcher avec Dieu tout en lui imposant votre vision des choses, votre manière de faire les choses, de vivre. Ça ne marche pas, mes amis. Non. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec la chrétienté actuelle, avec le christianisme tel qu'on nous l'a présenté, comme vous le savez, hein? Eh bien, ce christianisme qui a été conçu dans l'utérus du catholicisme romain nous impose des règles complètement humaines. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Alors, Enoch a marché avec le Seigneur pendant 300 ans. Et ça, c'est fort. Pendant 300 ans, Enoch a marché avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur va l'enlever. Marcher avec Dieu, mes amis, n'est pas une mince affaire. Parce que nous sommes tous, vous et moi, tout autant que nous sommes, des produits de nos cultures. Ben oui. Nous avons été formatés dès le bas âge, à la maternelle. Dès la maternelle, je vous ai parlé la dernière fois du formatage babylonien. Comment Comenius, cet homme protestant d'origine, et d'origine tchèque, protestant et franc-maçon, a mis en place le système de l'éducation actuelle, n'est-ce pas, la maternelle, la primaire, tout ça. Et c'est Comenius qui a mis ça en place. Vous voyez? Et cet homme a mis en place ce système qui est complètement, mes amis, bien sûr, démoniaque, pour pouvoir formater les enfants dès le bas âge. On nous a appris à voir les choses d'une certaine manière. Vous voyez? On nous a inculqué des choses. Je vous donne juste un ou deux exemples. Par exemple, qui vous dit que l'histoire qu'on vous a racontée, qu'on nous a apprise à l'école, est la bonne? Je prends juste quelques exemples. Est-ce que vous savez que la lampe électrique est une invention d'un noir américain et non d'Edison? On nous a fait croire que c'est Edison qui est à la base de cette invention. Pourtant, c'est un noir américain qui l'a mis en place. Mais comme à l'époque, il y avait l'esclavage, il ne fallait surtout pas mettre ce monsieur en avant. Et le frigo, c'est un noir américain qui l'a inventé. Voyez ? L'ascenseur, les feux tricolores, pareil, ce sont des noirs américains. Mais comme ils étaient esclaves, il ne fallait pas les mettre en avant. Et ce sont des histoires vraies. Donc vous voyez, dans les écoles, il y a ce formatage qui est là. À la maternelle, à la primaire, collège, lycée, la fac. Et quand vous sortez de là, on vous a présélectionné. Donc vous êtes déjà présélectionné, prédisposé à, bien sûr, répondre aux exigences des Illuminati, des grands de ce monde qui nous gouvernent, bien sûr. Et on nous a également inculqué des pensées du genre « Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas amour, Dieu n'existe pas ». Et on a complètement occulté la mort. On vous a fait croire, on nous a fait croire que nous sommes éternels. Voyez ? Et nous vivons comme si le lendemain nous appartenait. Eh bien, mes amis, alors là, Enoch, quant à lui, a préféré suivre Dieu, marcher avec Dieu. Enoch n'a pas subi une quelconque pression d'un pasteur, d'un gourou, d'une secte. De manière personnelle, Enoch a suivi le Seigneur. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas forcément, mes amis, aller tous les dimanches dans les bâtiments qu'on appelle l'église. Quoique nous avons besoin de la communion fraternelle, attention, comprenez mon langage. Voyez ? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous allez chaque dimanche dans un bâtiment qu'on appelle l'église, à la cathédrale, à la mosquée ou je ne sais pas quoi, que vous allez être sauvés. Voyez, c'est pas ça le message que Christ est venu nous annoncer. Dieu veut une relation avec l'homme, n'est-ce pas? Et cette relation, mes amis, doit être au-dessus de toute réunion d'église. Voyez, de toute appartenance à une quelconque dénomination. C'est une relation personnelle, et c'est ce que Enoch a eu. On n'a pas vu Enoch, mes amis, forcément aller se faire imposer les mêmes par quelqu'un pour connaître Dieu. Enoch n'est pas parti chercher un quelconque pape, monseigneur, pour être sauvé. Enoch a invoqué Dieu. Et vous savez, Dieu est toujours en dehors des systèmes que les hommes mettent en place. Toujours. Toute personne qui marche avec Dieu sera forcément considérée, regardée comme, mes amis, un rebut, comme je ne sais pas... une ordure,
comme une personne folle. Parce que Dieu est comme du vent. Dieu, c'est le vent. Il peut changer de direction. Voilà. Ce n'est pas de l'instabilité, mais c'est tout simplement Dieu. Il est comme ça. Allons voir, mes amis, dans la parole. Nous sommes dans Hébreux. Chapitre 12. Non, Hébreux 13, pardon Yann. 10 à 14. Hébreux chapitre 13. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Voyez, l'auteur dit ici que nous devons, n'est-ce pas, sortir pour aller vers Dieu hors du camp. Et ça, c'est fort. Alors, Yann, comme tu le sais certainement, l'auteur ici s'adresse, donc c'était un juif, qui s'adressait à ses compatriotes, n'est-ce pas, qui avaient embrassé la foi chrétienne. Mais en même temps, ils observaient certains rites mosaïques. Donc, ils faisaient un mélange de la loi avec la grâce. Donc, ils étaient complètement dans la confusion. Ils priaient Jésus, mais en même temps, ils observaient la loi mosaïque, les lois notamment cérémonielles. Alors, l'auteur, n'est-ce pas, va comparer le judaïsme antique à un camp. Les Hébreux, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils vivaient dans des camps, dans le désert. Et les lépreux, n'est-ce pas, des personnes qui avaient un flux sanguin, étaient, n'est-ce pas, chassées de ce camp, n'est-ce pas. Donc, elles vivaient hors du camp, donc hors de la présence de Dieu. Considérés comme, mes amis, des impurs. Et l'auteur nous fait comprendre ici, fait comprendre d'abord à ses compatriotes, que le judaïsme antique dans lequel ils étaient attachés, donc auquel ils étaient attachés, était devenu pour eux une prison, parambole en grec, camp, parambole qui veut dire prison, forteresse. Donc le judaïsme était devenu une forteresse qui les empêchait d'expérimenter la gloire de Dieu, de vivre Dieu dans le quotidien, n'est-ce pas? Donc, or, ces chrétiens devaient marcher avec Dieu, mais Dieu n'était pas dans le camp. Vous voyez, Dieu a toujours été hors du camp. Et là, il les invite maintenant à sortir du camp et à porter l'opprobre du Seigneur. Donc, ça veut dire que quand on suit Jésus, quand on marche avec Dieu, on va être hors le système de tous les systèmes des hommes et on va être traité de tout le nom. On va être outragé, on va être complètement rejeté, blessé, parce qu'on a décidé de marcher hors le camp. Et hors du camp. Donc, et il le dit également l'auteur, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Alors, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cherchent à bâtir des cités ici-bas. Il y a même un grand homme de Dieu, malheureusement, un Américain qui a dévié, qui a voulu bâtir carrément la ville de Sion aux États-Unis. Ah oui, il a bâti déjà il avait pratiquement réussi. Cette ville comptait près de 5000 personnes. N'est-ce pas? Et il voulait transformer cette ville en Jérusalem. Et Dieu l'a enlevé. Voyez? Alors, regardez le nombre de pasteurs, le nombre de prélats catholiques, mes amis, qui cherchent à bâtir, mes amis, des cités ici-bas. Le nombre de chrétiens, mes amis, qui s'impliquent dans la politique aujourd'hui, frères et sœurs, et qui veulent transformer qui veulent imposer la théocratie en France. Et ça, c'est terrible. Nous n'avons point ici-bas des cités permanente, nous dit la parole, car nous cherchons celle qui est à venir. Regardez tous ces chrétiens à qui on dit s'ils payent leur dîme, ils vont avoir des belles villas. S'ils payent leur dîme, frère, ils vont avoir des belles voitures. Est-ce que vous avez besoin de lire la Bible pour avoir une belle voiture? Est-ce que vous avez besoin d'avoir, pour avoir une belle voiture, vous avez besoin de prier? Travailler? Tout simplement. Comment ces chrétiens sont-ils lobotomisés au point, mes amis, de devenir carrément de... Je ne sais pas comment... Ils ont besoin d'une bonne parole pour être délivrés, frère. Hein? Si vous voulez gagner de l'argent, travaillez. Et si vous voulez travailler, avoir un emploi correct, eh bien, faites des études pour avoir un métier. Vous voyez? Ce n'est pas en parlant langue, ce n'est pas en priant que vous allez tomber du ciel, frère. Soyez quand même un tout petit peu, sensé. Que Dieu nous aide.
Je ne dis pas que Dieu ne répond pas à nos prières, mais quand même, frère, prions pour adorer Dieu. Hein? N'allons pas prier pour avoir des belles voitures, pour avoir des belles villas. Ça s'appelle un évangile ou l'évangile de la prospérité. Voilà, ça vient tout droit des États-Unis. Voilà. Dieu peut vous laisser dans une bicoque, hein, jusqu'à votre mort. Voilà. Et c'est pas pour autant que vous avez un démon de pauvreté. Voilà. Vous avez vu tous ces Africains qui prient matin, midi, soir en Afrique. Il y a toujours la galère là-bas en Afrique. Il y a des gens qui jeûnent pour avoir un bout de pain. Alors, c'est quoi l'image de ce Dieu qu'on présente aux gens, frères? Vous avez vu en Occident ici comment les gens sont riches et ils prient même pas. Très peu prient. Hein? Et ils sont riches. Alors, il faut qu'on change le message. Il faut qu'on prêche Christ. Qu'on arrête de faire croire aux gens que s'ils prient, ils vont devenir riches. Milliardaire. Bill Gates est milliardaire, mais il n'est même pas chrétien. Enfin bref, ça c'est, je ne peux pas enseigner sans dénoncer un peu l'évangile de la prospérité. Ça c'est plus fort que moi, excusez-moi, c'est dans mes gènes. Que Dieu soit béni. Je vais aller doucement ce soir, amen. Voilà, ce n'est pas toujours obligé de crier. Gloire à Dieu. Sortons, c'est un ordre, hein, frère, hein, sortons. Enoch était sorti. Il a suivi Dieu. Alors, quand Dieu vient nous appeler, vous savez, à chaque fois Dieu disait à ses enfants, sortez. Il dit à Abraham, sors de ton pays. Il dit aux enfants d'Israël, sortez de l'Égypte. Et à chaque fois, il faut sortir. Et l'homme ne veut pas sortir. Parce que nous aimons tellement nos béquilles. Nous aimons nos conforts, tout ce qui est con. Oh oui, frère, on aime nos habitudes. Hein. On aime, mais j'aime cet homme, j'aime cette femme. Dieu dit, il faut partir, il faut sortir. Ah, mais j'aime ma petite vie. Il ne faut pas venir la bousculer parce que tu comprends. Ça me plaît. J'aime ma petite vie. Eh bien, Dieu te donne un coup de pied. Derrière. Et puis, tac, tu sors. Malgré toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit à Lot, sors de Sodome et Gomorre. Mais sa femme n'a pas voulu sortir. Parce que la femme de Lot avait des bijoux. Imaginez, elle devait avoir des villas. Et quand elle est sortie de Sodome et Gomorre, elle s'est quand même arrêtée pour se dire, ah, Sodome et Gomorre, ah, mais bien. Et on connaît ça, comment elle a fini. Frère, il faut sortir. Et nous sommes justement à une époque où Dieu nous demande de sortir. De sortir. On peut sortir physiquement d'un endroit et être complètement dans le péché sur le plan spirituel. Donc sortir ici, ce n'est pas seulement physique. C'est aussi au niveau de la mentalité. Au niveau de l'esprit humain. Au niveau du raisonnement. N'est-ce pas? Il faut sortir pour aller vers Dieu. Sortons, frères et sœurs, et marchons avec Dieu. Et vous savez, Dieu, Jésus a dit dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, le chemin, c'est ça, là. Nous sommes dans le message hein, ce soir qui nous parle de la marche, hein, donc le message de la fin de temps. Et le chemin en question dans lequel nous sommes, c'est Yeshua. Mais quel est précisément ce chemin? Et dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, le verset 13, pardon, on apprend, le Seigneur nous apprend hein, ce que c'est ce chemin, cette marche. Yann, s'il te plaît. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Voilà. Enoch a choisi le chemin de la vie. Et on nous dit qu'il y a très peu de gens qui trouvent ce chemin. Et on comprend pourquoi Enoch était le seul, frère. Le seul à avoir pris la décision de marcher avec Dieu. C'est comme si Dieu passait quelque part, Enoch l'a vu. Il se dit, bon, je préfère l'accompagner. N'est-ce pas? Mais c'était un chemin, comme la parole nous dit, frère. Un chemin, mes amis, étroit, resserré. Et ce n'est pas évident. Quel est ce chemin-là, mes amis? C'est le chemin de la souffrance. Le chemin est resserré. Et la porte qui, n'est-ce pas, donne sur ce chemin, cette porte est étroite. Et c'est la porte dont il est question dans Jean chapitre 10, la porte des brebis. C'est la porte par laquelle passaient les brebis pour être égorgées dans le temple, selon Néhémie 3. Et beaucoup des pasteurs ne veulent pas de cette porte. Beaucoup de chrétiens n'en veulent pas. Et on nous dit également qu'il y a un autre chemin qui est large, n'est-ce pas? Il y a un autre chemin, nous dit la parole, qui est, entrer par la porte. Car large est la porte, spacieux est le chemin. Il y a un chemin qui est tellement spacieux.
où il n'y a pas de difficulté. Vous voyez ? Il n'y a pas de contrainte. Et beaucoup de gens passent par là. Et étroite et la porte, resserrer le chemin, et très peu de gens passent par là. Et on nous dit également, frère, que large est la porte. Oh, il faut être large. Chora, il faut être large. Il faut être sage. Il faut comprendre. Quand même, Dieu est amour. Dieu nous comprend. Vous savez, regardez toutes ces personnes qui choisissent la facilité et qui s'engouffrent dans ce chemin. Le chemin de la mort. Mais le chemin de la vie n'est pas évident parce que c'est un chemin où il y a tellement d'embûches. Il y a tellement de contraintes. C'est le chemin de la croix. Il faut que ta chair soit crucifiée. Que ma chair, avec ses passions, soit crucifiée. Et on n'en veut pas toujours, on n'en veut pas. Vous savez, vous ne pouvez pas accéder à la vie éternelle sans passer par ce chemin. Parce que nous avons tellement des choses que nous avons apprises, nous avons tellement des bagages que nous avons, mes amis, sur nos dos, nos épaules, nos têtes, depuis notre enfance. Les bagages intellectuels. Oh oui, vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Il les confond dans leur propre ruse. Il leur fait comprendre que leur sagesse est complètement charnelle, diabolique. L'homme sage. Vous voulez croire en l'homme? Qu'est-ce que l'homme a fait de bon, frère? Oui, vous allez me dire, il y a des inventions, il y a des belles choses. Mais vous avez vu, allez, vous avez vu ce qui se passe? Allez, mes amis, dans les pays dits pauvres. Vous allez voir des enfants qui n'ont rien fait et qui sont assassinés par les hommes. Vous allez voir des enfants, mes amis, vous savez, dans les pays où il y a des guerres civiles, des guerres, mes amis, tribales. Vous allez voir le nombre, tout comme en Syrie en ce moment, des enfants qui sont exécutés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a des sociétés, mes amis, qui fabriquent des armes et qui doivent liquider, mes amis, livrer ces armes à ces gourous, à ces tyrans. Leur stock. Ils doivent les livrer à tout prix. Vous savez, ça c'est l'homme. 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 La porte large, c'est l'homme. L'homme avec l'humanisme. L'homme avec son raisonnement. Eh bien, l'homme est en train de détruire la terre. De détruire, mes amis, l'atmosphère. L'homme. Oh, maudit, nous dit la parole, et l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit quiconque est, n'est-ce pas, appuyé, basé sur l'homme. Alors, mes amis, vous savez, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses que l'homme, que les hommes ignorent. Il y a un marché souterrain d'organes humains. Je me rappelle ce frère qui a perdu sa femme en Allemagne, une sœur que j'ai connue, qui faisait au moins 1m80. Cette sœur fait un malaise, on l'amène à l'hôpital, et du jour au lendemain, elle décède. Et on met son corps dans un cercueil qui faisait au moins 1m50 de longueur. Et tout le monde était étonné. Comment cela est-il possible? On a mis un mannequin dans le cercueil, et on a prélevé les organes, alors qu'elle n'était pas, elle n'était pas mourante, frère, on l'a tuée, exécutée. Voilà la réalité de ce qui se passe dans les couples. Et très peu ignore l'homme. La porte qui est large. Parce qu'il y a des millionnaires, il y a des riches qui attendent des organes, frère. Voilà notre monde. Et, frère, mes amis, vous devez savoir ce que vous voulez. J'ai choisi de marcher avec Dieu. Dieu est venu sur terre. Il s'est incarné. Il a marché pendant 33 ans sur terre. Et il y a eu un petit noyau d'hommes et femmes. Ces hommes et ces femmes ont choisi de marcher avec Dieu. Parce qu'ils ont choisi de marcher avec Dieu, il y a eu le choix, la plupart ont été exécutés. Étienne a été lapidé. Pierre, d'après la tradition juive, a été crucifié tête en bas. Paul est mort, lapidé, mort, exécuté sous Néron. Jean, exilé de force sur l'île de Patmos. Plusieurs parmi eux, parmi ses disciples, étaient brûlés vifs par les empereurs romains. Domitien,
Dioclétien. Beaucoup étaient, mes amis, obligés de s'exiler ailleurs. Rappelez-vous également de l'histoire des Huguenots, les Huguenots en France. Ces protestants qui ont fui, mes amis, qui ont quitté le système protestant, le protestantisme parce qu'il était devenu mort, moribond, mort. Et ils sont sortis, ils ont commencé à vivre la sanctification, à marcher avec Dieu, parce que Dieu était sorti de ce système. Et ils ont été persécutés, et beaucoup se sont réfugiés aux États-Unis. N'est-ce pas? Vous avez vu tous ces chrétiens persécutés dans les pays musulmans à cause de leur foi. Et alors, quand on décide de marcher avec Dieu, eh bien, on est persécuté. On peut être rejeté. Je ne parle pas de ceux qui se disent chrétiens, pasteurs ou qui pêchent et qui vont chanter ici et là, qui sont persécutés. Je parle de ceux et celles comme Enoch qui sont intègres, qui vivent dans l'intégrité et qui aiment Dieu et qui ont choisi de marcher avec Dieu, qui n'ont pas choisi de marcher avec la religion, avec les hommes, mais qui ont choisi de suivre Dieu. Et je vous assure, vous n'allez pas trouver Dieu dans les bâtiments qu'on appelle l'église. Il n'y est pas. Levez les yeux au ciel. Vous avez vu comment c'est grand l'univers? Et vous croyez que le Dieu Tout-Puissant va être confiné dans un bâtiment qu'on appelle cathédrale ou mosquée, je ne sais pas quoi, frère? Attention. L'homme mortel, avec du ciment, avec du sable, va faire des briques, va construire un bâtiment, il va l'appeler la maison de Dieu. Pour que Dieu quitte son trône, pour venir habiter dans cette maison. Et chaque dimanche, on demande aux chrétiens d'aller dans ces maisons pour chercher Dieu. Et quand ils rentrent dans ces bâtiments, ceux qui fumaient éteignent leurs clopes dehors, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, ils jouent des rôles. Tout simplement. Ils sont sacro-saints, mais dehors, ce sont des vrais impudiques, des vrais idolâtres, des tueurs, des violeurs de femmes. Mais dans ce bâtiment, le pasteur est tellement gentil, il est tellement souriant. Il est en costume et cravate. D'autres encore en soutane, toge. Et à la maison, ce sont de vrais dictateurs vis-à-vis de leurs femmes. C'est ça la chrétienté, frère? Eh bien non, cette chrétienté, elle est pourrie. Elle est malade. Avec cet évangile, mes amis, tronqué, à l'eau de rose, cet évangile édulcoré, mélangé, qui, n'est-ce pas, donne, excusez-moi du terme, de la diarrhée spirituelle dans la vie de chrétiens. Ils sont complètement, il y en a qui ont la diarrhée spirituelle, d'autres qui sont constipés à force de recevoir un faux message où on les oblige à aller jeûner 21 jours pour connaître la volonté du Seigneur. Alors que dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et d'autres encore, là, on demande de faire des emprunts, n'est-ce pas, bancaires pour bâtir la maison de Dieu. Il faut s'endetter, bien sûr. J'ai choisi de marcher avec Dieu, frère. Et c'est pour cela que les gens me disent, il devient fou. Ce monsieur, on l'a connu, il n'était pas comme ça. Il a dévié. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous qui avez commencé avec moi depuis le commencement, et qui êtes peut-être parti, eh bien oui, j'ai dévié. J'ai vraiment dévié, frère. J'ai fait carrément un grand, n'est-ce pas, j'ai pris un virage à 1000 degrés, frère. Je suis parti de l'autre côté. Complètement, parce que j'ai choisi de marcher avec Dieu. Oui. Frère, il y en a qui ont choisi de marcher avec leur pasteur. Il y en a qui ont choisi de marcher avec le pape, Benoît XVI, qui ne vous connaît même pas. D'autres ont choisi Bouddha, qui boude toujours. Eh bien moi, je choisis Yehoshua. Et je vous assure, frère, il est... Amen. Non, il n'y a pas de mots. Non, 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 nos langues sont pauvres. Pour définir le Dieu, n'est-ce pas, de la parole, le Dieu créateur. Choisir Dieu, c'est être rejeté par les hommes. Choisir Dieu, c'est être traité de fou. Vous savez, en France, quand vous commencez à prier un peu plus, on vous dit, non, vous êtes dans une secte. Alors, on a peur, les médias, Yann, oulolo, vous savez, cet outil que les Illuminati utilisent pour, n'est-ce pas, formater les gens, pour, n'est-ce pas, lobotomiser les hommes. Alors, on va dire, c'est une secte. Alors, tout le monde tremble, c'est une secte.
Mais ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui sont dans les sectes. Bah oui, frère. Alléluia. Alors, encore 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu. Alors, les chrétiens qui vont être enlevés, ce sont ceux et celles qui ont choisi de marcher avec Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens qui sont attachés à leur bâtiment d'église vont rester à l'enlèvement. Beaucoup seront surpris. Ils iront voir leur pasteur pour dire, pasteur, comment ça se fait que nous soyons restés? Comment ça se fait? Eh bien, on va leur dire simplement parce que vous avez choisi de marcher avec l'homme. Tout simplement. Mes amis, Enoch a été pris. Toutes les personnes qui ont choisi de marcher avec le Seigneur seront prises et partiront ce jour-là. Oh oui, frère, car la 7e trompette va retentir. Il va y avoir des disparitions massives de véritables chrétiens dans le monde entier. Ils ne vont pas se retrouver au Vatican. Ils ne vont pas se retrouver dans les églises évangéliques, à la pastorale française, congolaise, canadienne, martiniquaise, guadeloupéenne. Mais ils vont se retrouver là-haut. Oh oui, frère. Marchez avec Dieu. Alors, il y a d'abord la marche avec Dieu. On marche avec Dieu. Nous sommes à Ésaïe 40. Yann. C'est le dernier passage que nous allons lire. Ésaïe chapitre 40, nous lisons le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, il y a trois dimensions, hein, il y a trois étapes dans la marche, n'est-ce pas, avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est nous qui choisissons de marcher avec Dieu. Dieu nous tend la main et c'est à nous de choisir. Voilà pourquoi vous ne devez pas supplier les gens, ni les obliger, hein, pour qu'ils se convertissent. La conversion est une affaire personnelle. Vous ne devez pas menacer les gens pour qu'ils se tournent vers Dieu. Une religion, un prédicateur qui met la pression sur les gens pour qu'ils se convertissent est un gourou. D'accord? La conversion est une affaire personnelle. Nous sommes appelés à présenter l'évangile aux hommes et c'est à eux de le choisir ou pas. Ils sont libres. Dieu n'oblige personne. Voilà. On ne peut pas convertir les gens par la force. Ce n'est pas Dieu. Qui est ce Dieu qui va obliger aux hommes de croire en lui? Non. Non. Donc il y a trois degrés, il y a trois dimensions dans la marche avec Dieu. Premièrement, il y a la marche. On marche avec Dieu. Voyez? Il y a la marche. Tous les jours. Nous marchons vers, n'est-ce pas, la vie éternelle. Nous marchons vers l'enlèvement. Nous marchons vers les noces. Les hommes de ce monde marchent vers la mort. D'accord? Et même si nous mourons un jour, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 5, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Waouh! Dans Jean 11, il le dit, dans Jean 11. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, car je suis la résurrection et la vie. Là, c'est fort. Jésus est le seul à proposer la vie et la résurrection. Alors, pourquoi ne pas croire en lui? Faites un effort personnel. Invoquez-le chez vous. Parlez à Jésus. Et vous serez surpris, vous verrez qu'il va vous parler. On nous a appris à parler plus au pasteur qu'à Jésus. Quand on a un petit problème de santé, c'est tout de suite le pasteur qu'on appelle. Et voilà pourquoi beaucoup sont devenus orgueilleux. Beaucoup se font de l'argent. Ils sont devenus des véritables thérapeutes. Il y a la marche, d'abord. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la course. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, « Pour moi, je cours non comme à l'aventure. Je tape, je frappe non comme battant l'air. » Donc, il y a la course après. Vous savez, l'image qui est utilisée ici, c'est l'athlétisme. Hein? Vous voyez, dans l'athlétisme, vous avez, il y en a qui marchent, d'autres qui courent. Vous voyez? Donc, il y a la marche d'abord. Et au fur et à mesure que vous allez marcher avec le Seigneur, le Saint-Esprit va vous remplir de sa puissance. Et ensuite, ça va être la course. Mes amis, dans cette marche, il ne faut pas s'arrêter sur ceux et celles qui veulent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Dans cette marche, il y en a qui peuvent, mes amis, se fatiguer. D'autres se blessent. D'autres encore, mes amis, sont épuisés,
sont essoufflés. Mais vous devez avoir, hein, vous devez vous focaliser sur l'objectif. Il y a la course. Et là, quand on court, frère, il ne faut pas courir comme à l'aventure. Ah non, moi je cours vers l'éternité, frère. Je cours vers la vie. Hébreux 12 nous dit qu'il faut courir vers la carrière qui nous est ouverte. Il faut courir, frère. Nous courons. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui veulent nous attraper. Yann. Oh non, frère. Nous, nous sommes connus dans le Seigneur. Alors laissez-moi courir. Oh non, mais Yann, il y a tel frère. Il ne t'aime pas. Non, mais frère, je m'en fiche. Je dois courir. Oh non, mais Yann, tu sais, c'est encore la religion là-bas, frère. C'est pas grave. Je dois continuer à courir parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Je dois courir. Alléluia. Alors, à force de courir avec le Saint-Esprit, les ailes poussent. Voyez? Vous avez vu, mes amis, les animaux? Ici, là, nous avons une belle image du décollage d'avion. Voyez? Quand vous prenez l'avion, il y a d'abord, frère, hein, on roule. Hein. Il y a le roulage hein, d'abord. Hein. Et c'est doucement. Et à un moment donné, vous allez voir que l'avion court. Bah oui, frère. C'est les gens ont, les ingénieurs, mes amis de ce monde, connaissent la parole de Dieu pour la plupart. Là, ici, là, Esaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, mes amis, Esaïe a déjà vu l'avion. Le décollage des avions. Et regardez également, mes amis, les canards. Avant que les canards, mes amis, ne s'envolent, ils marchent d'abord. Regardez-les bien comme il faut, frère. Ensuite, ils courent. Et à force de courir, frère, le vent est tellement fort que, hop, la troisième étape, c'est l'envol, Yann. Et là, vous étiez un canard marchant avec les coqs qui ne peuvent voler parce que les coqs, mes amis, n'ont pas voulu se servir de leurs ailes. Ils ont été comme ils ont été frappés. Un canard peut traîner avec un coq. Mais un temps viendra où il va, mes amis, courir. Le coq aussi court. Mais la deuxième étape pour les coqs, c'est compliqué. Là, mes amis, c'est la troisième, pardon, c'est l'envol. Et là, quand vous volez, frère, vous devenez l'aigle. Voyez? Vous vous laissez porter par le vent. Et vous n'êtes plus là dans la distraction. Voyez? L'aigle, qui a une vue perçante, voit sa proie de loin. Voyez? L'aigle se laisse, mes amis, porter, entraîner par le courant, par le vent. C'est le Saint-Esprit là qui te dirige maintenant. Et là, c'est l'enlèvement de l'Église. Là, tu deviens céleste, l'homme spirituel. Tu n'es plus dans les cancans, dans les histoires, tout ça, dans le racisme, tout ça, parce que tu as une vision globale. L'aigle voit tout. Il voit, mes amis, il voit les chiens, les chats, il voit tout. Vous voyez? Là, dans cette marche-là, dans cette dimension de marche-là, il n'y a plus... Écoute, moi, je ne traîne qu'avec les blancs, qu'avec les noirs, qu'avec les métis, qu'avec les arabes. Là, c'est fini. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni arabe, ni bleu, ni noir, ni chocolat, ni jaune. Ni... C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Waouh. Le royaume. Il y en a, Yann, ils sont chrétiens depuis 50 ans. Ils ne font que marcher. Quand il faut courir, ils préfèrent marcher. Et ils veulent empêcher ceux qui veulent courir de courir. Et ceux qui s'envolent là, ils les attrapent au niveau des pattes. Des pieds. Ah, redescendez. Frère, quand Dieu m'a dit, Chora, c'est le temps de monter. Frère, j'avais beaucoup de frères, d'amis pasteurs qui voulaient marcher toujours. Je leur ai dit, mes amis, arrêtez. Laissez-moi prendre mon envol. C'est pour cela que vous devez choisir vos amis. Si vous traînez avec les canards, avec les coqs, vous serez, alors que vous êtes des canards, alors que vous êtes des aigles, vous allez vous comporter comme des coqs. Vous voyez? Un canard ne chante pas. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui sont des aigles et qui veulent chanter comme des coqs. Marchez avec Dieu, suivez Dieu et laissez le Saint-Esprit vous transporter dans des dimensions puissantes, dans des visions divines.
Saisissez votre temps. Ne laissez personne vous empêcher de vous envoler avec Dieu. Il y en a qui vont vous dire, non, mais vos visions sont charnelles. Frère, plus vous allez dire à Chora Kotou d'arrêter avec ses visions, plus il vous parlera de ses visions. On m'a dit, arrête avec tes visions. Et Dieu envoie un ange qui m'amène au ciel. J'ai parlé avec Gabriel. Eh bien, frère, plus vous allez attaquer, plus ça va couler. D'ailleurs, vous savez qui je suis, non? Un fou. Un fou qui n'a plus peur de la folie des hommes. Un fou qui vole. Et vous devez être des fous et des folles pour Jésus. Des passionnés pour le Seigneur, mes amis. Vous devez laisser l'Esprit vous transporter. Les gens, s'ils vous disent ne prêchez pas sur la croix, pendant un an, prêchez sur la croix. S'ils vous disent ne fréquentez pas les noirs, pendant 20 ans, fréquentez les noirs. S'ils vous disent ne fréquentez pas les blancs, pendant 30 ans, fréquentez les blancs. S'ils vous disent non, ne fréquentez pas les arabes, pendant 40 ans, fréquentez les arabes. C'est ça la folie de Jésus. Quand on prend son envol comme ça, frère, on n'écoute plus les hommes. On entend Dieu, on écoute Dieu, on obéit à la parole de Dieu, frère. On suit Dieu et on obéit qu'à la parole de Dieu, frère. Au nom de Yeshua. Frère, ce que Dieu vous dit dans les coulisses, faites-le. Même si les gens disent que Dieu n'existe pas, vous savez que Dieu existe. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais été au Japon que le Japon n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais touché le vent que le vent n'existe pas, frère. Voyez? Mes amis, laissez-moi clôturer. Je sais que beaucoup sont fatigués ce soir. Ils disent, frère, il parle beaucoup. Plus les gens disent que je parle beaucoup, plus je parle encore, frère. Parce que les gens vont dire, non, moi je sais, je vous connais. On dit, non, il n'y a pas la sagesse. Frère, il n'y a pas la sagesse, mais pourtant vous êtes là connectés ce soir. Malgré vous. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi vous ne pouvez pas me laisser tranquille? Hein? Vous m'attaquez et puis vous êtes là en train de me suivre. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? En fait, c'est Dieu qui vous condamne à la prédication. Vous êtes attaché à l'ordinateur. Vous avez maintenant honte là, je vous ai vu. Je vous aime au nom de Yeshua. Malgré vous, vous êtes là. C'est ça la puissance de Dieu. Vous allez vous envoler avec nous. Même si Satan vous a fait marcher pendant, même si vous a fait descendre. Mais si vous vous repentez véritablement, si vous aimez le Seigneur, mon ami, tu peux décoller. Au nom de Yeshua. Oui, c'est possible. Frère, même si les ailes, même si tu n'as plus d'ailes, même si tu n'as plus de plumes, je veux dire. Mais laisse-moi te dire une chose. La nature nous enseigne. Vous prenez un aigle, vous le plumez bien comme il faut, frère. Mais laissez-le seulement, laissez-le quelques temps seulement. Les plumes vont repousser. Donc je prophétise que les véritables enfants de Dieu qui ont perdu leurs plumes, frère, parce que ce sont des aigles, au nom de Yeshua, bientôt ces aigles vont quitter la compagnie des coqs pour véritablement s'envoler. Au nom de Yeshua. Je vous assure. Examiner, ayant toujours les sentiments de Christ, égal à Dieu qui s'est humilié. Orgueil, mensonge, faut t'en débarrasser, sinon tu risques d'être disqualifié. Mon courage, mon frère, la route est longue, marche dans la Jésus te montre. Encourage ma sœur, la route est longue, marche dans la
Jésus te montre. Il a promis d'être avec toi malgré les combats. Relève la tête, car ton Seigneur a déjà vaincu. Annonce la parole, proclame le salut. Il revient bientôt chercher son église, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors prépare-toi à sa rencontre et revêt-toi de ton habit de noce. Prends courage, mon frère, la route est longue. Marche dans la lumière que Jésus te Jésus te montre.